Ah, les frères maliens et moi, on est même chose parce qu'on est musulmans. Faut répéter ce que tu les as dit là. Que Jésus est quoi? Voilà, je dis que même dans le Coran, Issa est Dieu. Et dans la Bible, Jésus est Dieu. Bon, on n'a qu'à finir la Bible d'abord. Ok. En tout cas, ouais, c'est qui a mis Kengen. Voilà, il sait. C'est qui ça? Aïcha Asila. Voilà, il sait Kengen. Voilà, il sait Kengen. Ça dit, film là, on va commencer maintenant. Allô, frère? Oui, oui. Tu as la Bible là, toi? Bien sûr, bien sûr. Attends. Après là. Quand ça a chauffé là, faut pas venir dire non, il y a un côté qui est l'homme. Hein. Faut dire en même temps, s'il y a un côté qui est l'homme, s'il y a un côté de Jésus qui est l'homme là. Non, justement, je viens vous préciser. Jésus là, okay, il est 100% Dieu et 100% homme. Ma fouine, je savais. Oh. Donc c'est pas un Dieu complet quoi. Attends, il est moitié Dieu quoi. Faut dire il est moitié Dieu, faut dire ça dans la bouche. Non, pas moitié. 100% Dieu, 100% homme. Il n'y a pas, comment ça fait 200%? Il a deux natures. Adam, il a deux natures. Il a deux natures, oui. Quand il est sur la terre là, il est homme ou bien il est Dieu? Les deux. D'accord. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, hein? Maintenant, dans Matthieu 27, 46, il faut prendre Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Ça fait 200 bouts, hein? Matthieu 27. 46. 27 combien? 46, 46. 46. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Oui. Et dès la 9e heure, oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Eli, lama sabachthani. Oui. C'est-à-dire, oui. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien. Comme il a les deux natures, il est sur la terre, il a les deux natures. Étant avec les deux natures sur la croix, il s'adressait à qui? Il s'adressait à son père. Qui là-bas? Quel père encore? Il a les deux natures en lui, non? Il est déjà Dieu, homme sur la croix, non? Il s'adresse à qui encore? Pourquoi tu me dis ça? Tu fais quoi comme ça? En Dieu et en... Non. Dieu, non. En Dieu, il y a deux personnes. Non. Attends. Les deux personnes de Dieu, là, c'est pas eux qui sont sur la croix. C'est pas eux qui sont déjà sur la croix. Il est déjà deux sur la croix, non? L'homme et Dieu en même temps sur la croix, non? Ou bien, quand il est sur la croix, là, c'est pas les deux natures. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il y a deux natures. Il y a le Père. Enfin, en Dieu, pardon, il y a deux personnes. Le Père et le Fils. Le Père est 100% Dieu. Le Fils est 100% Dieu. Très bien. C'est pas les deux là qui sont sur la croix, là? Ou bien, c'est pas les deux là qui sont sur la croix? Non. Le Père n'est pas sur la croix. Le Père est au ciel. Attends, t'as pas dit que Jésus est sur la terre là, il est Dieu en même temps homme? C'est ça. La croix là, c'est planté au ciel ou bien c'est planté sur la terre? La croix là. Le Père n'est pas. Ouais, bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Regarde cacophonie comme ça là. Regarde, quand le Père n'est pas le Fils, c'est écrit où? T'as dit comment même? J'ai dit, quand Jésus est sur la croix là-haut. Attends, on va se comprendre. Quand Jésus est sur la croix là, c'est Dieu et homme à la fois qui est sur la croix. Non, c'est ce que tu as dit. Il est 100% Dieu, 100% homme. Sur la croix, non? Sur la croix là. C'est 100%. Oui. Voilà. Maintenant, comme il est Dieu en même temps homme, donc il y a Dieu déjà sur la croix et l'homme sur la croix. Donc il ne doit plus s'adresser à quelqu'un encore. C'est fini. Parce qu'il est les deux dans la nature déjà. Je répète encore. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. C'est écrit où? Dans quel passage de la Bible que le Père est Dieu, le Fils est Dieu? C'est écrit où? Oui, c'est écrit dans Jean 1:1. Folie. Disons Jean 1:1. Folie. Où on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Si on n'a pas vu ce que tu as dit là, écrit là-bas là. Il est coupé et puis il m'en va à la maison. Ok. On va lire. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, là, on voit qu'il y a deux personnes. Il y a la parole et il y a Dieu. Oh, où est-ce que c'est écrit Fils là-bas là? C'est écrit où? Avec Dieu. Non. Et la parole, oui, comprenez bien. Et la parole était Dieu. Au verset maintenant 14, on dit, et la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alors, est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? Est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? Est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? On a dit quoi là-bas? La gloire de qui? La gloire de qui? On dit la gloire de qui? La gloire du Fils unique. Alors, Fils unique de qui? Le Fils unique de qui? De qui? De Dieu. Alors, le Fils unique de Dieu s'appelle comment? Le Fils unique de Dieu, il s'appelle comment?
C'est Jésus. Le Dieu même s'appelle comment? Dieu. Il s'appelle comment? Jésus. Attends, il reprend. Hein. Le Fils unique de Dieu s'appelle comment? Jésus. Dieu même s'appelle comment? Jésus, mais on l'appelle le Père. Mmh. Vous, en fait, comprenez bien. Non, faut pas te blesser. Faut pas te blesser. Tu vas te blesser. Tu dis Dieu s'appelle non, Jésus. Écoutez. Il va plus vous parler de Jésus et Dieu d'abord. Adam, frère. Voilà. Quand Jésus est sur la terre, là, il est Dieu et homme à la fois. C'est ce que tu as dit, non? C'est ça. Maintenant, quand on devait le circoncier, là. Oui. C'est Dieu et homme à la fois, on a circoncié, non? Bah, les deux sont ensemble. C'est Jésus. Non! Ils sont pas, attends, ils sont pas deux, il n'a pas 100% homme, 100% Dieu, ou bien? Quand on était là, le circoncier, là, oui. C'est Dieu en même temps Jésus, oui. On a circoncié, non? Oui, c'est Jésus, effectivement, c'est Jésus. Ah, et qui? Non, Jésus est qui? Jésus est qui? Et qui? Jésus est un homme. Non! Jésus est Dieu. Ah, Jésus est un homme! Ah! Ma bonne. Non. C'est bon. Pasteur Ménard, viens aider ton frère. Lui, il vient de confirmer que Jésus est un homme. Jésus est 100% Dieu. Non, c'est bon. Tu dis Jésus est un homme. C'est bon, on a compris. Tu dis Jésus est un homme. C'est bien, c'est la vérité, c'est un homme. Il a été montré dans la Bible que Jésus est un homme. Mais il faut prendre Acte 2:22. Acte 2:22, s'il te plaît. J'ai pas douté que Jésus est un homme. Jésus est un homme. Mais il est plus qu'un homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Bon, attends. On dit, la parole est devenue un homme. Allô? Tu dis Jésus est un homme. La parole qui est devenue un homme. Attends. Tu dis Jésus est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Non. C'est Dieu qui est devenu un homme. Je vous dis ça. Dieu est devenu un homme. Dieu. Oui, c'est ça. Maintenant, si Dieu est devenu un homme, c'est qu'il n'est plus Dieu, il est un homme. C'est fini. Jamais, parce que les deux natures sont en lui. Merci beaucoup. Maintenant, quand on était là circoncié Jésus là, donc c'est Dieu et Jésus, oui. Simultanément, quand on était là circoncié, non? Non, les deux natures ne sont pas mélangées, ils sont distincts en Jésus. Ils sont pas mélangés comment? T'as pas dit que les deux sont un? T'as pas dit que les deux? Tu n'as pas dit qu'il est 100% Dieu, 100% homme? Oui, les deux natures sont en Jésus, mais ils ne sont pas mélangés. Ils sont distincts en lui. Donc, attends, parmi les deux là, il y a un qui est grand que l'autre, quoi. Non, j'ai pas compris. Il a dit, Jésus là. Entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Entre qui? Jésus et Dieu là, qui est plus grand? Ça dépend de la position que vous voulez. Mon frère, entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Quelle position? Faut me répondre. Quelle position vous voulez prendre? Position horizontale ou haut, verticale ou haut, mathématique ou haut, minuscule ou haut, entre Jésus et puis Dieu là, qui est plus grand? Sur la terre, le Père est plus grand que lui. C'est pour ça qu'il a dit, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il retourne là où il était. Bon, attends, d'accord, tu dis sur la terre, le Père est plus grand que lui, et au ciel, qui est plus grand, au ciel là? Comment? Au ciel, qui est plus grand? Au ciel, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Dieu, c'est Jésus, Jésus, c'est Dieu. Attends, hein. Au ciel là, qui est sur le trône? Qui est sur le trône? Au ciel là, qui est sur le trône? Au ciel, il y a deux personnes sur le trône. Il y a l'agneau et il y a Dieu. Sur le trône? Oui, sur le même trône, il y a le Fils et le Père sur le même trône. Bon, faut prendre Luc 2. Faut prendre Luc chapitre, Luc 22, 68. Il y a des chaos là-bas, puis il m'a épuisé. C'est fini. Ok, je lis. Et si je vous interroge... Attends, Jésus leur répondit. Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui sera à la droite là? Qui? C'est qui? Attends, Jésus est déjà Dieu. Il sera assis à la droite de qui? Il est déjà Dieu, hein. Faut pas. Fais attention, hein. C'est une question. Doucement, c'est une question piège. C'est une question piège. Faut faire doucement. C'est une question piège. Jésus est déjà Dieu. Il sera assis à la droite de qui encore? C'est une question piège.
à la droite de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il aura l'autorité suprême. Donc, il est. L'autorité ultime. Il sera à droite de qui? Il sera à la droite de qui? De qui? À la droite de la puissance de Dieu. On parle ici de puissance. C'est-à-dire qu'il aura l'autorité suprême. Donc, il sera à la droite de la puissance de Dieu. Oui. Mais en même temps, il est Dieu. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ni ma boya ke, un kungolo binachi. Je m'ai prié.